Union européenne, décaissement de 13 millions d'euros. L'Union européenne a annoncé le décaissement de 13 millions d'euros au titre de la deuxième tranche du contrat d'appui à la consolidation des services de l'État à Madagascar, SBC 2. Signé entre Madagascar et l'Union européenne sous le 11e FED, il fait suite au paiement de la première tranche de 13,5 millions effectuée en 2017. Pour la période 2017-2018, 26,5 millions d'euros de dons, c'est-à-dire 101,5 milliards d'ariages, auront été versés directement au trésor public malgache en appui aux objectifs atteints et performances prouvées dans la mise en œuvre des politiques économiques et sociales du gouvernement. Des progrès ont été constatés sur l'avancement des réformes structurelles à Madagascar au niveau de la stabilité macroéconomique, avec une croissance soutenue de la gestion des finances publiques et des améliorations de la transparence budgétaire. Malgré ces progrès, deux indicateurs du programme concernant les services sociaux, en particulier la santé et l'éducation, n'ont pas été atteints. L'Union européenne reste également dans l'attente de résultats tangibles suite à la mise en place du cadre juridique et des institutions judiciaires nécessaires dans la lutte contre la corruption ainsi que dans le renforcement de la gouvernance à tous les niveaux.